Avant la grève dans l'hôpital général, là, ben nous parler avec M. Caleb Jean-Baptiste sur dossier confrère à nous qui était mort dans le commissariat et Delma 33, Romelson Vélissin, qui lui-même, inspection générale, a fait sortir ou été adressé en correspondance par plusieurs associations de médias en presse là, pour expliquer dans quel niveau dossier a eu. Mais gagné M. Caleb Jean-Baptiste qui était avocat qui était voulu parler sous dossier ça. M. Caleb, bonjour. Bonjour Guerrier, bonjour Johnny, bonjour Lydie, bonjour Périnel, bonjour à tout auditeur, auditrice de Boulevard, bonjour avec tout le Haïtien, bonjour à Richard Joassin et Guerrier, merci parce que bonne opportunité. Bonjour avec la famille Moussiak, Patrick Moussiak, M. Patrick, M. Maxime, M. Philippe et tous les autres frères et sœurs Moussiak. Et merci, Guerrier, parce que vous avez une opportunité pour nous parler des dossiers et vraiment tragiques, la mort tragique que Robinson Vilsin, un journaliste qui assassiné lâchement dans l'exercice fonction en dans le commissariat de Macampa. Nous, elle est là, c'est juste pour nous attirer l'opinion. Pour nous attirer attention, tout peuple haïtien qui vit en Haïti et à l'étranger, dossier ça, et pour nous montrer qu'il est en que la justice haïtienne est gagnée dans le dossier au Melson Vilsin. Tout le monde connaît dans quelles conditions que au Melson Vilsin était assassiné. Nous avons besoin de retourner sous lui. Côté que c'est un exercice fonctionne en dans même commissariat Delma 33. Nous gagnons environ 3 mois depuis que nous déposons plainte dans le parquet contre et responsable commissariat à l'époque et consort, parce que vous comprenez que toute police était encagoulée là ça, on pas qu'à identifier effectivement qui est-ce qui était assassiné, mais responsable commissariat lui-même l'y gagnait pour te dire exactement qui est-ce qui était monsieur qui est-ce qui assassiné. Ça fait plus de trois mois et monsieur Guerrier du sol, la justice haïtienne pour qu'on jamais relayer nous ne t'avons pas de contre. Tandis que l'article 7 de la loi du 29 juillet 1979 sur l'appel pénal, il clairement dit que y a un juge d'instruction, il gagne 2 mois pour instruire un dossier et y a 1 mois pour l'ordonnance, ce qui fait 3 mois. Ça veut dire, jodi a, ordonnance et policier qui étaient assassinés ou bien les policiers qui étaient assassinés au Mersol Vilsin, t'as doué qu'on est. Moi, je comprends très mal. Mais pas qu'à comprendre ce qui a passé là. Est-ce que son irrespect pour la presse haïtienne, est-ce que son irrespect pour vraiment la famille Romelson Vilsin, qui fait jodi a encore, nous pas qu'à comprendre, nous pas qu'à connaître, et pour qu'on ait les personnes au niveau de la justice, pour vraiment nous connaître qui est-ce qui commet crime ça, et pour famille journaliste là, t'as joint ça avec les justice et réparation. Ça qui tue nous. Nous apprenons que, la police sorti un rapport côté Odi ta joine et moun qui fait crime là jusqu'à présent on parler là ne pourront jamais toucher de ça nous même comme avocat légalement constitué et famille Romelson Vilsin pourront jamais toucher de ça parce la justice pourront jamais toucher de ça. Ça veut dire n'a dit avec la police nationale d'Haïti une institution que me respecter en pile, une institution malgré toute mauvaise graine nous connaît qui la donne, mais son institution nous doit aider grandir. N'a demandé pour image institution ça. Pour image Haïti, faut rapide yo arrêter et déférer criminels ou bien les criminels qui te commettent crime ça. C'est même bagage ça qui a passé là. Guerrier, côté que pour regarder le dossier M. Robinson de lui, que moi-même actuellement me constitué, ou après que il a gagné plus de 6 mois dans la prison. Et même article que évoqué là, il dit que M. Latène connaît qui ça exactement qui passait dans le dossier. Est-ce que il a libéré parce qu'il n'y a ni preuve, ni crime, ni délit, ni contravention, ou bien qui ça fait? Ça veut dire, personne ne peut jamais dire rien. Il a jeté M. Latène en tant que secrétaire fédération au Port-au-Prince, en tant que secrétaire et vraiment secrétaire Barreau Port-au-Prince et secrétaire fédération Barreau d'Haïti. Nous-mêmes, comme avocats, nous indignés. Nous-mêmes, dans le bloc avocat, nous indignés. C'est raison ça.
nous mandé avec Jules Capé de ça pour lui rendre ordonnance li. Rapide pressé dans le cas contraire, nous-mêmes nous pas fait tout ça nous capables légalement pour nous forcer juge là rendre ordonnance parce que Maître Benson Bellu par délicat, Maître Benson Bellu par volet, Maître Benson Bellu par vendre armes, Maître Benson Bellu sont qui honnête. Li honnête et jodia l'a subi pour honnêteté, l'a subi pour franc parler. Nous comprenons ça qui passe là. Nous pas dire mais nous connaissons ça qui passe là. Comment que l'article 25 constitution dit que nul ne peut être interrogé en absence d'un avocat pour être témoin de son choix et mettre là l'article 53 décret et 29 mars 1979 qui régit décret et qui régit profession avocat décret il dit que l'article 23 ou pas qu'il doit contraindre un avocat n'existe fonction et l'article 25 constitution dit clairement que ou pas qu'il doit attendre monde c'est avocat et mais mettre dans exercice fonction il arrête le jeter dans la prison il pas jamais aucune décision mais c'est ça qui arrive qui dans jodi hein l'autre décision dans mon bah personne pas jamais imaginer qu'on pile prison dans pays là. Yon commissaire gouvernement ba en délibération. Prison pas choisi libérer moun nan non. Parfois en pile on a moun prison à cause de ça oui. Pénitence ça c'est monnaie courante oui. D'accord quoi prendre un jour qu'a vinn là moi gagné pour intervenir sur ça directement. En pile en délibération. Commissaire gouvernement ba te pas libérer moun non. En pile en délibération. Juge d'instruction ba yo pas libérer moun. C'est parce que nous nos pays, nous nos république bananière. Yo pa fè action contre nous pour rébellion, yo pa fè action contre nous pour donner de justice, yo pa fè action contre nous pour mise à partie. Qui fait qu'on y a chaque monde en Haïti pense que li c'est tout puissant, li pa respecter la loi, li pa respecter autorité établie, li pa respecter chef hiérarchique, li pense que li ka fè tout ça lè. Jodi a pour le fini guerrier parce que nous-mêmes nous clair, nous mandé avec la police nationale d'Haïti. Pays a vle konnen. Journaliste a vle konnen. Parce que la presse, c'est quatrième pouvoir. Qui ça qui t'est passé en d'un commissariat Delma 33? Qui est-ce qui t'est assassiné Romelson Vilsen dans l'exercice fonction? Côté Mounsaye, côté lié, et nous mandé avec la justice haïtienne, cabinet de instruction, qui ça qui passé, qui t'est jodia? Même yon convocation, yon beaucoup fait dans le dossier Romelson Vilsen. Et nous clair, dans les jours qui viennent, si que le dossier va avancer, nous allons obliger, mais quand même entamer des actions, entamer des grèves, entamer vraiment des marches pour nous vraiment exiger arrestation, exiger lumière faite sous la mort, vraiment journaliste, regrettable. Regretté journaliste Romelson Vilsen et pour nous exiger également libération sans condition, mettre Romelson derrière lui et pour finir, pour nous dire autorité pénitentiaire nationale et toute la prison, il n'y a pas chef comme ça, il n'y a pas chef juge, les gros lords, il faut qu'ils exécutent. Battant la continue, il faut qu'ils soient dans ce là, tout le monde est connu. Merci, Bulgarie, merci et moi dis merci avec tout. Moun, tout journaliste guerrier, Ferdinand, Luti, la famille Moussiak, qui m'ont opportunité et pour nous vraiment faire ça. Ça va être simple, c'est un plaisir. Bye bye.